Et 73 de 14 kilomètres, 33-01, Rémi La Gironde. Kilomètres, 33-01. Le département 33. Département 33, il dit bonjour. Ok, bonjour de la part du département 33. Les 73 à vous de 14 kilomètres 33-01. Rémi, sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Et de mon côté, c'est du 58. Pourquoi j'ai l'impression de ne pas avoir tout compris? Bon, je crois que j'ai compris, il est en pleine expédition. Alors, je suis déjà dans le log, ok. Peut-être que je l'ai eu hier. Peut-être. On va pas le déranger plus. Aïe. Petite idée comme ça pour voir. Attention les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel depuis la Gironde. Ah oui, hier on avait du monde sur la route. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là, on voit la différence par rapport à hier où il y a plus de monde qu'on ne le croit sur la route. Oh oui. On fait un petit test. Ah si, toujours. J'ai quand même un peu moins de larcelle. Je me suis mis là un espèce de gros filtre. Un truc surdimensionné. Quoi. C'est tout juste s'il ne me touche pas le bouton là, ici, là. Ah oui. Là, on voit mieux comme ça. J'y mets un truc énorme. Alors, c'est sur la partie prise. Je suis juste au ras. Ah oui, mais tellement au ras que j'ai l'air con maintenant. Si, voilà. De la prise RJ45. Je vais me foutre en bas comme ça, tac. En bas, oui. Et bien là, je teste. Bon, après, j'ai le rebord hein, sur lequel vient s'appuyer le filtre. Hein. Enfin, et la prise qui suit derrière, parce que là, c'est un adaptateur, en fin de compte, hein, que j'ai. Là, voilà. Et je teste pour voir si ça va me limiter quand même le larcel dans le micro. Dans le haut-parleur, pardon. Je mettrai bien le micro plus bas. Mais si je mets plus bas, pour le coup, j'arrive à ce que donne un micro d'origine. Quoi. Le but, c'est pas ça, quand on met un micro pré-ampli, le but, c'est d'avoir un petit peu plus de pêche qu'un micro pré-ampli. Surtout en AM.
Alors avant que la propague bascule sur les départements français, et pourquoi tu bouges toi? Il y avait le Brésil, surtout ouais, le Brésil, plus d'autres pays d'Amérique du Sud, tout ça qui passait. C'était surtout de ce côté-là. Il y a eu un petit peu d'Angleterre et puis paf, les départements français. Bon, ça, je parle, là, il est. Ouais, il est 16h50. Bon, je parle dans la tranche horaire 15h et jusqu'à maintenant. Travaillant la nuit, ce qui s'est passé avant, je sais pas. Mais vu les messages qu'il y a un peu à droite à gauche, il y a eu pas mal de propag encore là. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel depuis le département de la Gironde. Bon, ce coup-ci, j'ai vu que là, ça n'a pas fait grand-chose au niveau filtrage. Il y a un petit filet de l'arcelle qui est passé dedans. Alors, sur le filtre DSP, qui est caché là, derrière. Oui, on le voit. Tiens, c'est pas mal comme ça. Et si j'écartais le haut-parleur? Je sais que Gilles, 9 Bravo Charlie 555, c'est ce qu'il a dû faire. Écarter le haut-parleur pour limiter les problèmes de l'arcelle comme ça. Alors le filtre DSP là qu'il y a derrière, il est super bien. Tiens, voilà, je monte, vous entendez? Voilà, là je coupe, j'ai coupé. Et pourtant il y a les filtres du poste qui sont mis. Hein. Là, voilà, et ça a tendance à générer un petit peu de l'arcelle. Alors une astuce est donnée sur internet avec une diode à mettre, voilà, une diode à rajouter sur le moins du filtre, mais je pense que ça suffit pas. Je me demande si cette même diode, on trouve l'astuce hein, sur le forum La Planète CB Francophone, justement sur le sujet là dans les accessoires post sur le filtre BHI. Donc on voit le schéma qui est mis dessus. Et je suis bien tenté, cette astuce là sur le moins là du filtre d'alimentation, de le reporter à l'intérieur du haut-parleur. Et sur le moins du haut-parleur, bah tout pareil. Peut-être que reste à expérimenter ça. Bon, là, oh, j'ai entendu un truc là. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel depuis le sud-ouest France, département de la Gironde. Du coup, j'ai reculé un peu. Et qu'est-ce que j'ai comme placement derrière? Ouais. Alors, que je réorganise un petit peu, vite fait. Hein. Qu'on n'a pas beaucoup de place, c'est vite fait, c'est 8000 bordel. Bon, je parle un petit peu comme une vache espagnole, mais c'est pas grave. Bon, d'accord. Là, je vois mieux, je vois tout. Pas vous? Pas grave.
Attention des stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel depuis le département de la Gironde. Qu'est-ce que j'ai vu là? A2, si c'est bon. Bon, ben on va remonter à l'étage. On faisait un petit crochet par la fréquence kilomètre. CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion. Ah, l'intelligence artificielle qui se réveille. Est-ce que ça va me booster la propague? CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest France, département de la Gironde. Bon, c'est pas gagné. Ils sont où? Ils sont où? Ah bah zut. Oh, oh. Il y a quelque chose là. Une smurf. Il arrive parfois qu'on entende des églises. Non, là, c'est un QSOM. Putain, la propague a eu vite fait de tourner ailleurs. Bon, j'étais un petit peu long à me mettre en place. 2-3 minutes. Ah, y'a quelqu'un là. Attention, les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel depuis le département de la Gironde du côté de Saint-Émilion.
Ah ben je suis bleu, mais... Bon, ça me favorise pas du tout la propague. Hein. Je plaisante. Bon, ben, je vais attendre. Bon, on voit que la propague est là. Oh, ça monte, ça monte, ça monte. Bon, là, par contre, c'est pas pour moi, j'y comprends rien. Donc, je vais attendre la prochaine vague pour surfer dessus. Prochaine vague francophone. Pour surfer sur la vague. Comment il a dit? 36, non? Et République de San Marino? 26. Ouais, je crois que c'est ça. Ah, Germanie. Ah, peut-être pas tarder à revenir sur la France. Bon, il n'aura pas fallu attendre longtemps. Oui, bonjour, le QPA de Calvados. Calvados, Calvados, Calvados. Là, je suis mauvais, là. Je sais plus de quel côté c'est. Break de 14 km avec 33,01. Bon, je crois que je vais faire le Calimero. Hein. Mais j'ai pas de chance. La magie des ondes. Ça veut ou ça veut pas? À la partie de madame.
Bon ben, c'en est venu, c'en est parti. Ah, fais le yo-yo. PTH, please. Over, il a dit le monsieur. Over. Break over. Je vais bien, tout va bien. C'est chiant de rester sur la fréquence d'appel. Certains ils passent des heures et des heures. Ah, je peux pas. Quoi. Chacun son truc, c'est sûr. Quoique les pêcheurs restent bien des heures et des heures au même endroit, mais d'autres naviguent. Profitent du paysage. Je crois que j'ai dit une connerie là. Le paysage devant moi, c'est un mur. Bon, la fréquence du Québec. Là, c'est pas gagné. Pourtant, là, ces derniers temps, on a passé de super bons moments, là. QSO journalier, carrément. Pendant quelques mois. D'ailleurs, à propos de ça, je crois que j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Ici, tous les jours, il y a un groupe de Québécois du côté de Montréal, les environs, là, par là, qui sont ici. Bon, évidemment, là, ça passe pas. On a du monde à FM à la place. Alors le fait d'avoir reculé le haut-parleur, je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans la vidéo. Ah, surprise. Ce signal. Thank you.
qu'on a à FM. Alors Gilles, 9 Bravo Charlie 555, j'avais parlé de ce filtre, hein, de ce filtre DSP, la BHI. Une fois que je l'ai eu en visio sur le 600, j'en ai fait la démonstration, du coup il en a acheté un. Hein, et il n'est pas mécontent du tout, loin de là. Ça a permis, bah, tout comme moi d'ailleurs, de faire baisser le coup d'acouphène dans les oreilles. Le niveau d'acouphène dans les oreilles. Mais là, en FM, si je l'enlève, vous entendez le crépitement? Ah, c'est désagréable, écoute, hein, ce crépitement. Et pour le coup, on entend moins bien les stations. Bon, d'accord, la propague a baissé avec. Mais là, c'est plus propre. Et je suis pas au maximum au niveau du réglage. Là, je suis au maximum. Peut-être un peu trop. Je suis sur la 7ème position. La version qui est sortie en suivant. Waouh! La nouvelle version, enfin bon, bref, celle qui est sortie après le mien. Il a 8 positions. Ouais, mais bon, là, c'est peut-être un peu trop étranglé. Alors, il existe aussi des haut-parleurs DSP chez BHI. Mais bon, pour le QRA, celui-ci est beaucoup plus complet. Le haut-parleur DSP, lui, il est bien, surtout en mobile, quoi. Il doit y avoir un ou deux réglages dessus, je crois, puis c'est tout. Hein. Alors que là, 2, 1. 2, 3, 4. Ouais. 4 réglages rotatifs. 2 boutons à bascule. Et je parle pas du SUA Duo, qui est pour la prise de soit ligne ou audio. Attention, station fréquence pour Dindé 33 qu'il en s'appelle. Ah, depuis le QRA, bon, ben, j'ai pas plus de réponses. Parce que bon, déjà, je suis à 50 km d'un côté de Bordeaux, 50 km de l'autre de Bergerac. Donc, deux grosses villes. Ça limite déjà pas mal au niveau local. Et puis on est le week-end. Il y a du monde là sur le sud-ouest de France. Tout le secteur Landes, les Landes, tout ça, là, tout ce secteur-là, là, qui se retrouve ici, là. Il y a un groupe Facebook, justement, là, par rapport à cette fréquence, le canal 30. Mais j'arrive pas à les avoir depuis chez moi. Quand je suis en mobile sur Saint-Émilion, oui. No.
radio 101, Anglesey Isle, calling upon 0. 27.480. Thank you. 101. Il est sûr. One c'est Nouvelle-Guinée, Papouasie. On entend de la musique. Porteuse ou radio? Non, porteuse. Pas grave. Au moins ils ont l'intelligence de faire ça sur une fréquence de dégagement. Bon, ben je vais attendre la prochaine vague. Prochaine vague francophone. Depuis le temps que je le dis, j'avais qu'à me mettre à l'anglais. Quoi. Là, ça me rendrait bien service. J'ai cru entendre du francophone. Oh oh. Bon, ça tellement souvent que je sais même pas où il est. QSS TV. Le temps que je lance, ça va être trop tard. Ouais, c'est la fréquence. Bon, je vais faire autrement. Tac. Zut, ça s'attrape pas. Ah, c'est ou pas? Yes, ça y est, ça attrape. Bon, bah, ça attrape du QRM. Ah zut.
ce que j'ai attrapé, c'est vraiment pas ça. Il faudrait une interface entre le PC et l'ordinateur. Oui, parce que là, je suis bien à... Alors... 2, 4, 6, 8... Ouais, je suis bien à 1m10. J'ai le haut-parleur qui est bien à 1m10 de l'ordinateur. Et là, c'est parti du haut-parleur. Je crois que tout le monde l'a compris. Au micro du PC. Et là, franchement, ce que j'ai attrapé, c'est du n'importe quoi. Y'a rien. Un bout de QRM en haut. Bon, plus sérieusement. Plus sérieusement, il faut une interface. Une interface. Alors certains font sortie micro casque direct au PC. Mais c'est risqué parce que si vous rentrez trop fort dans le PC, eh bien vous cramez la carte son. Tout simplement. Alors qu'avec une interface entre, elle absorbera équilibrera le flux pour pas griller la carte son. Pour les oreilles, ça veut pas capter. Bon, je sais bien, c'est assez archaïque hein, comme méthode. Quel con, j'ai pas appuyé sur lecture. Pourquoi ça veut pas marcher? Fréquence par rapport à au logiciel. La configuration du logiciel QSSTV, aucune. Bon, ça aurait dû marcher normalement. Peut-être qu'il faudrait que je commence par faire les choses à l'endroit, c'est-à-dire me documenter sur la partie configuration de QSSTV et après voir. Bon, eh bien c'est pas grave. Ce fut un petit test qui fut un flop complet.
Dans l'idéal, c'est d'avoir, même si pour ma part, hein, je préfère 100 fois la phonie, hein, mais c'est pour tomber sur des occasions comme ça, c'est avoir quelques logiciels de lancer comme ça sur l'ordinateur, et puis aller à la pêche hein, aussi. Hein. Qui nous dit rien du tout. Ben 59 here in northeast Belgium. Wow. And very happy to speak to you from Tuscany, the beautiful region of Tuscany. Back to you. Il y a quand même de la pop-up francophone qui traîne. CQ DX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. C'est la fréquence moniteur kilomac.
Ça rentre. Bon, ça rentre plus. Ah zut. Ça tape dans les tympans! Quelqu'un peut baisser le son? Bon, d'accord. C'est de la merde que j'ai enregistré. Whoop.
ben là, ça continue à rentrer, mais ah, c'est joli. J'ai de la neige, des points bleus, des points rouges, des points verts. Alors là, j'ai 104 de marqué dessus. Si c'est ce que je pense, c'est la Corse. Bon, allez. J'ai assez explosé les tympans. Vous aussi. Donc 27 700, pour ceux qui ne connaissent pas encore, rendez-vous là pour de la SSTV. Sous Windows, je crois que c'est SSTV, je crois, je sais plus. Bon, sous Linux, QSSTV. Là, par contre, c'est pas cool. C'est trop près de la fréquence d'appel phonique. Et voilà, donc oui, ça passe super bien ici. C'est la province de Limbourg. C'est le côté néerlandophone de la Belgique. Mais comme tu entends, je parle aussi le français, aucun problème et avec grand plaisir. Donc, météo Belgique, ici nord-est Belgique, ciel bleu, soleil, 22 degrés aujourd'hui, donc pas mal finalement. Finalement, un peu du bon temps ici aussi après la pluie des derniers mois. Ok, bon, il y a beaucoup de stations fréquentes, donc je ne vais pas traîner trop longtemps. Pouf! Marco, la nord de la Belgique, la nord de la Belgique, de Christian Jean de Bordeaux. C'est la fréquence tous les soirs, 18h-19h, Lydie Mawella, le maritime pédalant qui fait la traversée de l'Atlantique jusqu'à New York. Là. Voilà, c'est direct, Marco. Merci de ta gentillesse, 73, bon week-end, Christian, à bientôt, Marco, merci. Bernard, des autres, quand j'ai pas très bien. Didier est derrière, hein, j'ai entendu un mot, paf. Il est derrière, j'ai entendu trois fois le pivoteur, mais j'arrive pas à sortir pour le moment. Très chaud ici, on est à 32-33 degrés. C'est l'été. À toi, Bernard, avec les bonnes Sainte-Thèse.
Bon, c'est pas tout, vu l'heure. Faut que je travaille la vidéo. D'ailleurs, je redémarre l'ordinateur sous Windows. Oui, pour ceux que ça intéresse, j'ai plusieurs distributions Linux sur mon disque dur externe. Je démarre dessus. Alors de ce côté-ci, j'ai pris soin de mettre des tampons pour contre les vibrations et tout ça. Donc autrement dit, je suis principalement dessus, sous Linux. Et ce qui me permet de laisser complètement le disque dur Windows. Attendez, je rentre. Ah zut. Je connais plus mon mot de passe. Là. Voilà. Ce qui me permet de garder complètement le disque dur qui est dans le PC portable sous Windows. Et bien que pour le travail vidéo et tout ça. Quoi. Donc besoin de place de ce côté-là aussi. Bon, là c'est fini. Bon, voilà, ce coup-ci, voilà, je me mets sur la fréquence monitor kilo mic. Je vais me mettre à travailler la vidéo pendant ce temps-là. Wow. Je crois que la fréquence est occupée. La fréquence est occupée. Pas grave. Je vais me mettre là. Comme ça, si quelqu'un passe par là, whoop, je saute sur le micro. Et 73-51 tous, Dandy 33. Oui, c'est marqué devant. Ou plutôt derrière. Enfin bon, ça dépend comment on se place. 14 km 33-01 Rémy, le sud-ouest France, la Gironde. Et bien au prochain coup, sur les ondes. Moi je préférerais vous avoir quand même sur les ondes, hein. C'est quand même mieux. Hein. C'est plus cuillero sur les ondes. C'est, comment dire, plus parlant. A plus. Nom de Dieu, je n'entends des départements français. Ah non, mais là, il faut, là. Du coup, j'ai pas eu le temps de commencer à transférer quoi que ce soit. Juste préparer le dossier. Attention, les stations fréquences pour Dandy 33 qui lance appel depuis le département de la Gironde. Je vous ai entendu. C'était RQRP, mais je vous ai entendu. Et 73-51, les stations de Dandy 33. Qui c'est qui disait ça? C'est De Gaulle. Bon, je laisse la politique là où elle est. Moi, ça m'intéresse pas. C'était pour la blagounette. Vous voyez? Le DXAM, ça existe aussi.
Alors pour les nouveaux qui écoutent cette vidéo, si vous remontez plus en arrière dans les vidéos, vous verrez qu'on entend les Américains et tout ça. Quoi. Oui, c'est violet là normalement. Mais c'est pas gagné. Sur ce que je vois de la vidéo, c'est pas gagné. T'as sur mes doigts là, on voit. Hein. Bon, le bleu resserre blanc. Multicouleur, même pas. Vert. Il fait jaune. Bleu violet. Bon ben d'accord. Après faut choisir sa caméra en fonction des LED. Attention, station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel. Là, on... Ah, pour la blagounette, alors certains pestent ceux qui restent sur le 19 AM, mais généralement, c'est ceux qui viennent jamais, quoi, pour la plupart. Pour être principalement en haut. Alors, le canal 19. Ouais, j'allais dire, là, il va nous sortir une connerie. Ouais. Eh bien, c'est là. Le canal 19, c'est le canal de la route. Et la route des ondes. Donc, on est au bon endroit. Bon, c'était petit, elle était facile. Bon, ça mijote. Non mais là, faut vraiment que j'arrête. Là. Bon, allez, allez, allez. Et c'est que j'ai boulot ce soir en plus, moi.
Là, ce coup-ci, ouais, j'aurais envie de dire c'est la bonne. Les 73-51 tous. Et à plus tard. Non, mais il va la couper, sa vidéo, oui. Je vais bien, tout va bien. Bon, allez, non, sérieusement, là, ce coup-ci, je coupe.